On se retrouve aujourd'hui pour une bonne petite séance de cardio très dynamique. Vous allez voir, ça sera super sympa et ça va passer vite. Merci à toutes mes abonnées d'être avec moi. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose de vous abonner et cliquez sur cette petite cloche, elle vous informe de la sortie des vidéos. Un petit mot très rapide sur ma méthode AquaActive. Vous pouvez télécharger ce guide, il est gratuit et il vous explique tout. Et si vous aimez mes exercices, vous allez adorer ces programmes. C'est 5 ou 6 jours. Je vous guide, vous n'avez qu'à me suivre et on travaille tout le corps dans la bonne humeur. Allez, on continue notre échauffement par quelques assouplissements et on va se préparer pour une bonne séance. Encore quelques secondes. Et c'est parti, on met la machine en route. On fait 30 secondes de marche. On essaye directement d'adopter un bon rythme. C'est du cardio, je vous le rappelle. On respire, on ne bloque jamais sa respiration, même pendant les exercices, et ça sera important pour aller au bout de la séance. Vous verrez comme d'habitude 10 secondes avant la fin, l'exercice suivant pour ne pas perdre de temps. Allez, on enchaîne, on monte le rythme d'un cran, 30 secondes de petite course, on cale sa respiration. À partir de maintenant, on ne lâche plus son rythme. Je compte sur vous pour aller au bout de la séance avec moi. Et on fait travailler tout notre corps avec beaucoup de rythme. Les bras sont bien tendus et fermes, les paumes de main vers le sol. Et avec mon genou qui monte le plus haut possible, je viens chercher mes mains. Allez, respirez bien, regardez droit devant vous. Et oui, on s'imagine, on est toutes là ensemble, on est motivés. Allez, on enchaîne par un joli mouvement de boxe. Une fois vers le bas, une fois vers le côté le plus loin possible. Soyez souples sur vos jambes, on est là pour s'amuser et pour brûler des calories. Bravo d'être là! Allez, ce mouvement est un petit peu plus calme, mais on garde un bon rythme. On fait travailler sa jambe et son bras du même côté. Je pousse vers l'avant et je pousse sur le côté. Pendant ce temps, l'autre bras est bien tendu. Je vous félicite de prendre soin de vous avec le sport. On enchaîne directement avec l'autre côté. Même consigne, je pousse sur le côté, bras et jambes en même temps, puis vers l'avant. Et on fait toujours travailler les bras et les jambes. C'est pas grave si vous vous perdez, ça m'arrive souvent. Je rigole mais je continue. J'ouvre et je ferme mes bras qui sont pliés à 90 degrés. Et en même temps, je pousse la pointe du pied sur le côté. Allez, pendant 30 secondes, j'imagine que je prends une corde loin devant moi et je la pousse le plus loin possible derrière. Je suis souple sur les jambes, légèrement rabaissées. Les jambes sont écartées, bien stables. Allez, serrez vos abdominaux et ne bloquez pas votre respiration surtout. So
s'amuse, on met du rythme. Les bras sont bien tendus et je les fais tourner tous les deux temps. Paume de main vers le bas, paume de main vers le ciel. En même temps, je joue avec les jambes. Allez, suivez-moi. Et on y va avec un mouvement qui nous fait twister, qui fait bien travailler tout le haut du corps, les abdominaux, les jambes. Pointe de pied qui vient chercher loin sur le côté, puis loin derrière. En même temps, les bras tournent autour du buste. Allez, accrochez-vous, c'est chouette ce que vous faites. Je suis là pour vous encourager. On enchaîne directement avec l'autre côté. Allez, derrière, devant avec le pied et en même temps le buste tourne. Faites bien tourner vos épaules. Allez chercher une bonne rotation. Allez, on enchaîne, on essaye de récupérer en mouvement, soufflez bien. Je garde un bon rythme de marche sur les jambes. Et en même temps, je fais des petits ronds. Bras bien tendus, les paumes de main dirigées vers le ciel. Plus vos bras sont tendus et fermes, plus le travail musculaire est efficace. Allez, allez, mesdames, messieurs, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. C'est génial d'être là tous ensemble pour faire du sport, pour prendre soin de nous. Et pendant 30 secondes, je pousse avec les deux bras dans un sens et en même temps, le pied va pointer vers l'arrière opposé. Allez, je me grandis à chaque fois que je pousse loin. Elle est dynamique cette séance, elle va nous faire un bien fou. Et pendant 30 secondes, de manière alternée, mon talon vient toucher devant. Et en même temps, je fais un mouvement de biceps avec les bras. Gardez vos coudes bien collés au buste et on met du rythme. Allez, on est là pour dépenser son énergie, brûler des calories. On fonce, on va au bout de la séance ensemble. Et cette fois-ci, je fais travailler mes triceps. Je continue à marcher. En même temps, les mains font un mouvement de balancier vers l'avant, vers l'arrière. Gardez vos coudes bien fixes. On se penche légèrement vers l'avant pour encore plus solliciter ses triceps. Pendant que mes deux bras sont bien tendus vers le ciel, je fais un coup de pied vers l'avant, une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Montez bien votre genou avant de kicker, serrez vos abdominaux et on garde son rythme. Allez, on s'accroche. On la voit au loin cette ligne d'arrivée, on va la passer et on sera fiers de nous, je vous le garantis. Allez, je m'amuse sur les jambes. Je viens chercher les hanches. Je monte sur la pointe du pied une fois à droite, une fois à gauche. Et en même temps, je tire mes deux coudes vers l'arrière comme si je voulais ouvrir un rideau. Allez, on s'amuse, on est là pour ça. Ça fait du bien de transpirer. C'est une séance assez courte que vous pouvez faire très souvent, même en guise d'échauffement ou quand vous avez peu de temps. Allez, les deux mains sur les hanches, ma jambe va chercher sur le côté et pendant ce temps, la jambe fixe monte et descend. Allez, faites à votre rythme, mais ne lâchez pas, c'est pas le moment. Et
on enchaîne directement avec l'autre côté. Elle est dynamique cette séance. Ça sera un vrai bonheur de la terminer tout bientôt. Allez, allez, on s'accroche. Continue avec un jumping jack sans les sauts. Je m'envole avec les bras. Grand mouvement et pendant ce temps, pointe du pied. Va chercher sur le côté, à droite et à gauche. L'idée est de garder le rythme cardio. Allez, ce mouvement n'est pas facile, suivez-moi. Je vais chercher deux fois sur le côté, deux fois vers l'arrière avec ma jambe. Et en même temps, mes bras font simplement un mouvement du coureur. Ne vous inquiétez pas si vous vous perdez. On continue, on reste ensemble et on rigole surtout. Et maintenant qu'on connaît son mouvement, on y va avec l'autre jambe, deux fois sur le côté, deux fois vers l'arrière avec le pied. Et les bras font toujours le même mouvement. Allez, on respire, on tient le coup. On la voit cette ligne d'arrivée, elle est juste devant nous. Accrochez-vous! Continue en boxe, on a les jambes bien écartées, on est stable sur ses cuisses, mais souple. Et je viens boxer une fois à droite, une fois à gauche. Gardez vos mains le plus haut possible. Allez, on est fatigué, mais c'est une super fatigue. On reste encore une minute ensemble. Je fais travailler qu'un côté et je viens chercher une fois le genou, une fois le pied avec la main. Allez, allez, c'est génial. Le drapeau est là. Et c'est nos dernières 30 secondes, accrochez-vous. Ma main vient toucher une fois le pied, une fois le genou. On met tout ce qui nous reste. Je suis super fière de vous. Quel plaisir de faire du sport. Magnifique, merveilleuse séance. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé cet entraînement et si vous désirez continuer parce qu'il vous reste de l'énergie, je vous propose d'enchaîner avec cette séance. Sinon, les étirements vous feront beaucoup de bien. Continuez à m'écrire, abonnez-vous, partagez tout autour de vous avec les copines et n'oubliez pas de télécharger votre guide sur ma méthode aquaactive, le lien est juste sous cette vidéo. Et n'hésitez plus à nous rejoindre, les programmes sont là, ils vous attendent. Et quand vous l'avez, il est pour vous à vie. Le lien est juste sous cette vidéo. Allez, continuez à prendre bien soin de vous et surtout restez belle et rebelle.